Cette option est utilisée pour conclure des accords commerciaux. Une fois signé, une route commerciale est ouverte entre votre nation et ses partenaires, permettant d'échanger des marchandises au bénéfice de chacun. Lord, your humble servant. Forward! March! Forward! For crown and country! Forward, march! Forward, march! Ready for order. Forward, march! Orders received and understood. Any orders? Heave away, boys! Heave away! Ship's orders? Waiting for your orders. Aye, aye, sir! Ships cannot go there. Aye, sir! Your Majesty. March! Onward! March! Anything more? Thank you.
the left, waiting for your orders. March! Forward! March! Anything more? Sir. March! Waiting for your orders. Awaiting further orders. Waiting for your orders. Forward! March! Your Majesty? By the left! March! Sir. Troops! Forward! Your Majesty. Yes, sir. Make ready! March! Rats in a cage! Souvenez-vous que l'objectif est de capturer le camp, pas de le détruire. Les bâtiments détruits sur le champ de bataille seront aussi détruits sur la carte de campagne. Beaucoup d'unités d'infanterie transportent des grappins et des échelles de cordes pour une utilisation pendant les sièges. Elles peuvent bien sûr partir à l'assaut des murs avec cet équipement, bien que l'aventure soit toujours risquée. Déployez les grappins en passant la souris sur une section d'un mur et en faisant un clic droit sur l'icône appropriée qui apparaît.
The siege is lifted. Attack! Votre grand empire doit administrer de nombreuses régions et l'argent ne rentre pas dans les caisses. Votre empire s'est agrandi trop vite par rapport à votre administration qui n'est pas suffisamment efficace pour lever les impôts. Assurez-vous que vous imposez vos provinces de la façon la plus efficace possible en modernisant vos bâtiments gouvernementaux. Sir. Forward! For crown and country! Men, ready forward. And waiting for orders. Forward! For crown and country! Anything more? March! By the left, march onward. Lord? Troops. Yes. Forward. Lord? Yes. Vous avez tellement recruté d'unités que votre trésorerie plie sous le poids de leur entretien. Conquérir de nouvelles régions et utiliser les hommes à bon escient permettrait d'étaler les coûts. Augmenter les impôts aiderait aussi, bien que cela augmente également les risques d'insurrection. Autrement, renvoyez simplement les unités inutiles. Sir. Still waiting for their orders. Any Still orders? Ship shape. Il n'y a actuellement aucune troupe stationnée dans ce fort. Dans ce cas, il se pourrait bien qu'une armée ennemie l'occupe bientôt. Any further orders? By the left. March. Awaiting further orders. Commence siege. Give ground.
sir. We can't do that, sir. Your humble servant. Lord? Yes, sir. Ready for orders. Rats in a cage!
prepare the troops for battle. Vous avez capturé Fort Niagara. La vallée de l'Ohio est maintenant sous le contrôle des Britanniques. Néanmoins, la guerre contre les Français fait toujours rage dans les 13 colonies et les Britanniques n'ont pas l'avantage. Loin au nord et à l'est, une importante flotte française garde le port crucial de Louisbourg. Vous devez construire une flotte comparable à celle des Français et envoyer une armée capturer Louisbourg.